Pour la deuxième année, nous n'irons pas en mission au Nord Cameroun. Des événements que vous connaissez tous ont eu lieu dans la zone où nous intervenons. L'enlèvement en 2012 de la famille Moulin-Fournier dans le parc de Vaza. Leur libération avait laissé croire à un retour à la normale. Malheureusement, fin 2013, l'enlèvement du père George Van den Bush a remis en évidence le danger que courent les Européens dans ce territoire proche de la frontière nigériane. Le ministère des Affaires étrangères a durci ses positions. Plus aucun visa n'est délivré pour le Nord Cameroun. La situation s'est encore aggravée récemment avec la guerre en Centrafrique.